Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tag pile ou face, le ridicule ne tue pas. Alors je n'ai pas été taguée, mais on m'a demandé de le faire et puis je l'ai trouvé assez marrant. Et dès qu'il s'agit de s'afficher, j'aime bien. Alors, ce tag, je suis désolée, je regarde mon téléphone parce que j'ai pas retenu... Ce tag a été donc créé par les deux Marion, donc Marion Makeup Addict 33 et The Junkies of Makeup. Alors, pour ce tag, il faut commencer donc sans maquillage. Il vous faudra un rouge à lèvres rouge. Donc moi j'ai pris un slick. Donc le rouge à lèvres rouge, je sais pas ce qui manque en ce moment, hein, non mais... Donc il est rouge, hein. Ah, j'arrive pas à le fermer. Un correcteur. Alors, j'ai pris le Fit Me de Maybelline. Un eyeliner. C'est un bourgeois. Une terre de soleil. Alors, j'ai pris celle de chez Bowo. Un élastique. Alors, je sais qu'on a l'air con quand on fait... si on utilise l'élastique. Je sais que vraiment, on a une tête... Non, voilà. Donc je me suis dit autant le faire jusqu'au bout. J'ai pris un élastique de ma fille, donc c'est un Hello Kitty vert en plus, et d'un crayon à lèvres. Alors un crayon à lèvres, moi j'ai pris un Kiko et c'est un rouge, et d'une pièce. Bon, on s'en fout, oui. Pièce d'un euro. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Alors je lance ma petite pièce. Et donc c'est face, il me semble, hein, que ça c'est face, je crois que c'est ça, hein. Si je le fais à l'envers, je me vais engueuler, mais bon. Alors, face, montre-nous et parle-nous de ton indispensable blush. Mon indispensable blush, en ce moment, c'est, parce que je change souvent en fait, en ce moment c'est un de chez... C'est le 02 Quirky Pink, donc c'est celui qui est dans le packaging comme ceci que je vous avais parlé, que j'aime beaucoup. Donc il est comme ça. C'est pas facile, je sais pas si vous verrez bien. Je peux pas vous le mettre, j'ai pas le droit. Ouais, je vais quand même vous swatcher. J'ai swatché sur les trois doigts. Hein. Allez hop, c'est pas facile. Voilà. Ah, il est magnifique et en ce moment c'est vrai que c'est celui-là que je mets. Ensuite, relançons la petite pièce. Ah mince, j'aurais pas dû. Cette fois c'est pile. Alors, pile challenge coiffure. C'est parti pour le palmier à l'ancienne sur la tête. C'est l'un de ceux que j'avais pas spécialement envie de faire, mais bon, tant pis, allons-y. Ça peut être simple. Avec mes cheveux bizarres en ce moment. Alors là, je crois que... On va essayer de quand même pas trop avoir l'air con. Avec les petites mèches derrière, vous voyez, j'ai pas les cheveux assez longs. Comment s'afficher sur YouTube? Enfin, moi, je vous le dirai, je me suis déjà affichée pas mal de fois, donc... Bon, bah écoutez, tant pis, hein. Ensuite, on relance la pièce. Face, montre-nous et parle-nous de ton indispensable rouge à lèvres. Alors, c'est pas un indispensable rouge à lèvres. C'est une marque. Enfin, je vous ai sorti toute la collection. C'est une marque et en fait c'est Yves Saint Laurent. Je suis... J'aime beaucoup cette marque de rouge à lèvres. Putain... Comment tu veux être sérieux? J'aime beaucoup cette marque de rouge à lèvres. En plus, j'ai une mèche derrière, j'aime pas, ça me gêne, ça me chatouille. Notamment, vous le savez, le rouge que j'adore. Puis j'aime l'odeur. Je les aime beaucoup. Ils tiennent super bien. Ils se mettent facilement. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Je m'en suis acheté un il n'y a pas très longtemps. C'est un fuchsia.
Et ça, ce sont mes préférés. Et celui-ci, dans son packaging magnifique. Donc, il lui est un framboise. Et voilà, c'est vraiment pas tellement un rouge à lèvres, c'est plus une marque. Après, si je devais choisir un rouge à lèvres dans la marque, dans ceux que j'ai, je dirais le rouge là, celui-là. Que j'aime beaucoup, je vous ai bassiné pendant très longtemps avec. Ensuite, Peel. Voilà. Alors, je crois que c'est 4. Oui. Tu as l'opportunité. Oui, c'est ça. Tu as l'opportunité d'être bronzé aujourd'hui. Applique ta terre de soleil à la place de ta poudre. Alors, je prends un pinceau que je m'en fous un peu. Hein. Et j'ai choisi la poudre de chez Bowo. Alors, et elle est vraiment très. Enfin, là, j'ai un petit peu mis ici. Faut quand même que ça se voit, quoi. Ouh, je commence à bronzer, donc. UV gratuit. On va faire une belle démarcation. On dirait une grosse biscotte cramée. Vous voyez? Magnifique. C'est un tuto. Oui, oui. Vous kiffez, non? Voilà. Ma pauvre poudre. Voilà, vous voyez, le pinceau, il est complètement orange. Un petit peu comme ma gueule. Voilà. Et vous savez quoi? Il va aller au lavage après. Ensuite, on recommence. Pile. Finalement, je m'en sors pas si bien. Je crois que j'ai les poils. Voilà. Alors. Challenge make-up. Remplis tes sourcils avec le crayon à lèvres de ton choix. Donc moi, j'ai choisi un rouge de chez Kiko. Et donc, on va faire ses sourcils rouges. Alors, déjà que moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec mes sourcils. Alors là, vous allez kiffer. Petite pause musicale. D'après vous, je vais chercher ma fille à l'école comme ça après. Les gosses, ils vont dire oh là le clown. Bon, magnifique. Non. Encore une fois. Alors, hop là. Pile. Non. Alors, pile. Challenge make-up, utilise l'eyeliner de ton choix en guise de contour des lèvres. Alors, je crois que ça va être juste magnifique. Donc c'est un bourgeois. Et allons-y. Et noir, évidemment. Magnifique. Et cette dernière challenge, prends-toi en photo et mets-la en miniature vidéo. Bah écoutez, je le ferai évidemment avec le caméscope, je pense. Et je la mettrai en miniature vidéo. J'aurai même pas besoin de mettre de titre à la vidéo, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Donc voilà pour mon petit tag. Qui je tag? Je... Personne. Faites-le si vous voulez le faire. Parce que je suis un petit peu arrivée après la guerre. Il a beaucoup tourné déjà le tag. Toutes les meilleures... Je veux dire toutes les youtubeuses les plus connues. Voilà, ça c'est comme ça. L'ont déjà fait. Elles ont tagué à leur tour. Enfin bon, voilà, donc j'arrive un petit peu après la guerre. Après la guerre, après peut-être que quelqu'un m'a tagué, mais je n'en ai pas entendu parler. Donc voilà les filles, je vais aller me faire ma petite photo et puis aller me débarbouiller parce que là, ça va pas. Hein. Et puis bah, je vais évidemment vous faire des bisous et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye.